Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore une fois sur Hitman Absolution. Et donc on va faire attaquer la mission 6. Bienvenue à Hope. Alors c'est une petite mission. Ouais, très minime. Donc je pense qu'on va enchaîner avec celle d'après, qui est aussi très petite. Donc bah, en fait on va aller vite quoi. Je vais peut-être faire les deux petites missions là, puis on verra. On verra combien de temps on est. Donc c'est parti, je vous laisse la cinématique. En puriste. Alors, le fameux Birdie. J'espère que t'as une bonne raison pour m'avoir traîné jusqu'ici. Je suis là pour offrir mes services. Ce kidnapping que vous préparez, je crois que vous mesurez pas vraiment l'adversaire qui vous attend. Ça alors, tu t'inquiètes pour moi. Laisse-moi voir de plus près si ton visage m'inspire confiance. Dom est mort. Un petit cadeau du chauve. Ça veut dire qu'il vous faut un nouvel agent de liaison. Et qui serait mieux placé que moi pour ça? J'ai pas raison. Non, Birdie, t'as pas raison. Tu vois, j'ai déjà la fille. Ce qui veut dire que j'ai pas vraiment besoin de toi, pas vrai? Attendez, attendez, attendez. Pas la peine de s'énerver, je vous en prie. Écoutez, vous comprenez pas? Vous voulez le plus offrant? Alors laissez-moi m'occuper de la transaction. C'est ma spécialité. Birdie, tu crois que je suis pas capable de retracer tes appels sur ton portable, hein? Ah, une magnifique journée, non? Birdie, qui c'est... Ah, comment elle s'appelle déjà? Jade. Qui c'est, Jade? Allez vous faire foutre! Mauvaise réponse. Ah, j'adore ce pays. Un homme peut accomplir tout ce qu'il veut à condition d'avoir un cerveau et des coronets. Ok. Ok, c'est une nouvelle recrue, l'agence. L'agence? T'es en train de me dire que l'agence est liée à Victoria? Ouais. Relâche-le. Ces gens sont vraiment dangereux. Si vous les cherchez, c'est eux qui vous trouvent. Mais si vous me laissez jouer les intermédiaires, réfléchissez, puisqu'elles comptent assez à leurs yeux pour qu'ils envoient leurs tueurs. Ça veut dire qu'elle vaut des millions! Des millions! Je vais tenter ma chance. Tu peux y aller, Birdie. Tu as été très utile. Mais si je revois ta tête de sale fouine, je me ferai un plaisir de t'enterrer aux côtés de nos pères fondateurs. C'est une promesse que je te fais. Et je tiens parole. C'est fini. C'est fini. Tu crois pouvoir me capter comme ça? Tu vas le regretter, crois-moi. J'ai une surprise pour toi. Ouais. Ouais. En fait, j'ai une surprise pour tout le monde. Mmh.
Et ouais, 5 minutes et 30 secondes de cinématique. Ça, c'est de la cinématique quand même. Et donc, on est arrivé à Dakota du Sud, etc. Et on arrive dans ce bar. Il n'y a pas trop d'ambiance. Hein. On se fait même plutôt chier. Lui, c'est censé. Je sais pas qui c'est lui, mais il me dit quelque chose. J'ai dû le voir dans les anciens. Je crois que c'est le mec qui est. Il est parti acheter du matos en ville. Je crois que c'est le mec qui est en fauteuil roulant dans Blood Money. Mais... C'est professionnel. Il va pas vouloir. Mais... pas entrer, réservé au personnel. C'est bon, je prends la veinée. Donc on a une petite veinée. Donc on n'a pas grand chose pour passer, on pourrait faire diversion, etc. Mais il y a une meilleure façon de passer. Tiens, on va voir si les gens sont chiants. Ah, oh, la batte de baseball, bah bien sûr. Je savais pas qu'il y en avait une ici. Ah bah le débouchoir. Je le prends, mais moi c'est juste pour faire l'arme. Voilà. Oh, la porte elle se... Bref. La bouteille, on a le shérif. Vas-y, je prends ça. Je le tue ou je le tue pas? Allez, je le tue. Au pire, vu que la mission est très courte, ben... Et avec tout ça, j'ai trouvé un truc pour passer sans taper. Elle était cachée là. Qu'est-ce que... Qui dit m'a vu? Bizarre, je savais pas qu'il y avait une pièce ici. En fait, la map qui n'est pas aussi petite que je le pensais. Et je serais bien passé, mais le truc c'est que. Donc, comme ça, en plus, on a un costume de staff. Bon, ça. On va foutre plutôt ici. Il y a peut-être une prof par ici. Oh là là. Truc de ouf. C'est la première fois que je viens ici et... Oh, fusil à pompe. Oh, en fait, c'est une belle cache ici. Bon, bah, voilà. Ici. Là-haut. Non. On avait intéressant. Oui, parce que là je découvre en même temps que vous, parce que d'habitude ce que je fais, j'active une alarme et là tout le monde commence à se battre et tout, c'est hardcore, etc. Et ah bah ouais, bon, en fait il y a la basson quand même. Donc les mecs qui vont m'attaquer à part un, ça va être... Hop, hop. Avec du... Comment on appelle ça, du QPE ou je sais pas. Attends, c'est que ça... Je prends le costume de tocard. Et hop, costume de tocard. Costume de cash. Ouais. On va en profiter pour regarder un peu la map, vu que c'est des missions assez courtes. Pourquoi pas regarder quoi. J'aime bien l'ambiance et tout. Bon, vas-y. Il y a quelques défenses. On va. Ok. Ah, je prendrais bien la batte de baseball, mais le truc c'est que... Salut, comment ça va? Ah, bien, merci. Et vous?
Et voilà. J'ai mis au point, mec. Et voilà. Tu sortais pas avec ma sœur. Ah, t'as une lettre de baseball. Allez, tiens-toi tranquille, tu connais tes droits. Ça, c'est beau ta capote. Ça. Arrêtez. C'est le monde des hommes. Je me fous pas mal des démons. Chaque fois que... Je casse les portes. Non mais sérieux, c'est dégueulasse ici. Oh, une barre de fer. Oh, je préfère quand même la lettre de baseball. Cet enfoiré ne sera plus jamais à ta sœur. Écoutez-moi bien, monsieur. Mettez les mains en l'air. Restez où vous trouvez. Très bien. Comme ça. Tu gardes les mains en l'air. Fais ce que je te dis et on va aller au poste. Vous voyez moi, on va voir. Laissez-le partir et on tirera après sur toute cette affaire. Cette fleur finira. Bon, bah, vas-y, hein. Oh la vache, hey, oh oh oh, calme, calme. Ah la vache, ils m'ont tous tombé dessus. Et... Ça se fait pas. Bon allez, on va faire la celle que je fais d'hab. Elle est où? Salut, elle est pas là. Ça va? Allez là. Bon bye. Qu'est-ce que tu cherches? J'en mets un. Ouh. Tapette de motard. Qui c'est que tu traites de tapette? Et donc là les... Ah oui d'accord, donc les motards et les bouseux vont se taper. Mais c'est bon, je dois sortir d'ici. Attends, je fais un peu le team tu. Voilà, ça va être un peu plus de baston. Bon c'est pas grave. PE ou je sais plus ce qu'on dit. Et Barto, tu vois pas que tu gênes. Ouais. Ah, ça c'est bon. J'aime pas quand même plein de super. Oh, c'est une blague. Il m'a mis un coup de boule et je suis tombé dans les pommes quoi. C'est une blague. It's a joke. Allez hop. Prends une tenue de keuf, comme ça personne ne va me faire chier. Bon, allez mec, là vous faites quoi? Tu es là, mais c'est juste pour regarder l'autre en fait. Waouh, waouh, c'est magnifique. Ouh. Hey, mais tu l'as manié bien. Tu l'as manié bien. Wow. Ok, c'est parti. Tu sortais pas avec ma sœur, toi? Dehors. Ah mais voilà, c'est pourquoi il me faut un coup de boule, c'est parce qu'on est en puriste. Oh mais c'est bon, ils m'ont pas fait chier en plus, là, c'est juste ça. Peut-être parce que je courais, je sais pas. Oui donc excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Bon en fait c'était pour vous dire que...
Ouais, je sais même pas pourquoi je vous le dis maintenant. Ouais, bref. Et donc ma vidéo s'est coupée dû à un problème de place. Et en fait, vous avez rien loupé. En fait, il y a juste Birdie qui appelle Hitman et puis enfin l'agent 47 et puis il lui dit j'ai jeté ça un cadeau dans l'armurerie de je sais plus où. Donc voilà. Alors on a fini cette mission. Je sais absolument pas combien de temps elle a duré. On va regarder, regardons. 15 minutes, ouais. Donc je vais m'arrêter là. Donc je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager, lui mettre un petit pouce. Et puis si vous souhaitez continuer à regarder les aventures, abonnez-vous. Voilà, peace, yeah, oh yeah, motherfucker, yeah, ouais, ouais.